Ah, tiens, ça y est. En cas de pédophilie, les religieux catholiques sont obligés de le signaler. C'est un décret du pape François qui vient de sortir là. Eh ben bravo les gars, ça vous aura juste pris 2000 ans. Bon, ça veut dire que sur le bureau du pape, il va y avoir un dossier avec la liste de tous les pédophiles de l'église. Putain, le pavé quoi. Aucun suspense le bouquin. À toutes les pages, t'es un méchant. C'est quand même étrange que l'église fasse des nouvelles lois. Tu vois, moi je pensais que tout était écrit dans la Bible et qu'il fallait juste le respecter. Non mais tu peux pas te fier à un texte qui a été écrit il y a des siècles. Ouais. Il faut t'adapter à la société. Tu vois, à l'époque, il y avait même pas d'internet, il y avait pas de contraception, pas d'électricité, pas de série télé, pas de championnat de foot, pas de Kleenex, pas d'imprimante, pas de machine à café, pas de bitume, pas de publicité dans le métro, pas de télescope et pas de trottinette. Non mais attends, à l'époque, il y avait quand même des enfants, donc de la pédophilie. Je suis désolé, mais il marche pas ton raisonnement là. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais regarde leur peinture. Depuis 2000 ans, les gars, les seuls trucs qu'ils ont le droit de regarder, c'est des petits anges tout nus. Non mais à la base, c'est pas trop bizarre d'être enfant de cœur? Ouais. Je veux dire, ton seul boulot pendant la messe, déjà t'es habillé en robe, c'est de servir du vin rouge à un vieux monsieur devant 100 personnes qui sont à genoux. J'avoue. Ils ont tous des robes? Ils ont des aubes. Pas des aubes? Le pire là-dedans, c'est qu'on n'écoute jamais les victimes. T'imagines, tu vis un truc horrible, t'es traumatisé à vie, t'essayes de te reconstruire et quand tu trouves enfin la force d'en parler, y a personne qui t'écoute. Excuse-moi, tu disais? Le pape, il a quand même des couilles pour faire cette réforme. Pour une fois qu'elle lui serve à quelque chose. Vu qu'il peut pas baiser. Ouais, j'avais compris. Tu sais, il a des couilles pleines du coup. Ouais, j'ai compris. Ouais. Ils ont aucun goût leur Pringles. T'as trouvé ça où toi? Sur la table, là. Hein. Xavier, c'est le corps du Christ. Quoi? Attends, viens, on s'arrache. Merde. T'as bouffé un truc, tu sais même pas ce que c'est. Je sais pas, des chips quoi. Qu'est-ce que c'est le purgatoire ?